Un jour, un homme de Dieu a rencontré une sœur. C'était la fille d'un médecin. Il lui a dit, ma sœur, j'aimerais t'épouser. Et la sœur voyait le frère à l'église. Et il était bien habillé des fois. Et puis il dit, frère, je viendrai te visiter. Et ce jour-là, elle est arrivée quand le frère ne s'y attendait pas. Et la sœur arrive. Il y avait une porte. Elle entre, c'était une belle maison. Et puis elle pose la question, où est le frère Sonny? Elle dit, frère Sonny, il est derrière. Elle était déjà étonnée qu'on ne dise pas qu'il est dans la grande maison. Frère Sonny habitait dans cette grande parcelle, mais dans la petite guérite. Et elle va, elle trouve le frère Sonny qui dormait sur un lit dont lui-même avait le secret. Tu connais ces lits-là, il faut que tu t'assieds avec expérience et sagesse. Et lui, il était malade et trouve le frère Sonny là. Hey, tu habites ici? Oui, j'habite ici. Ah, Seigneur. Elle a dit n'importe quoi. Si la situation d'un frère est misérable, ne crache pas dessus. Tu peux te retirer seulement, mais ne crache pas dessus. Elle a jugé ce frère en fonction de son présent. Et lui a dit, mais Dieu, un jour changera ma vie. Ah, excuse-moi. Elle est partie. Et puis elle a épousé un médecin. Vous voyez, les médecins des fois sont non payés. Et ils grèvent. On bouffe leur argent. Et lui, il est devenu rockman. Et un jour, il passait, il y avait la pluie. C'est lui qui m'avait raconté ça quand il nous prêchait. Et il voit la sœur avec son médecin sous la pluie avec un parapluie. Il s'est arrêté. Et ils sont entrés. Il les a amenés chez eux, mais s'est arrangé passer d'abord par chez lui. Pour qu'il puisse sécher. Et le monsieur était loin. Et la fille est venue et lui a dit, je comprends le verset qui dit que tu perdras par ta faute ton propre héritage. Elle a dit ça. C'est pas que j'encourage les frères, t'as rien, tu cherches une femme. Non, ne changez pas mon message. Ne changez pas. Lui, il avait un ministère déjà. C'est pas que t'as rien là et puis tu veux, non. Il avait déjà un ministère, mais il était au début. Au début du ministère, mes frères, je transportais les bancs. J'achetais les bancs à Montbélé. Dans la boue, j'allais au marché acheter une chaise en plastique. J'habitais des maisons dans lesquelles il pleuvait, dans lesquelles il y avait des gros rats. Je restais devant un arrêt de bus jusqu'à 23 heures pour trouver un taxi. Où nous serons à deux devant. Certains, en voyant ça, m'ont méprisé. Mais d'autres ont vu qui je serais. Ne vous moquez jamais d'un homme. Jamais d'un homme. Parce que là où tu es, pour toi, c'est le top. Mais l'autre va commencer là où il est ton top et va dépasser ça. Chaque homme est un point d'interrogation. Chaque homme est un mystère. Et quand tu sais ça, tu respectes les hommes. C'est pourquoi, mon frère, dans ta vie, tais-toi devant ces choses. Lorsque tu vas vers un chantier et qu'il est inachevé, ne juge pas, ne parle pas. Tu ne sais pas ce qu'il sera. Tu ne connais pas le plan de l'architecte. Et tu peux voir qu'il n'y a qu'un trou. Mais ce n'est pas un trou. C'est un immeuble de 10 étages. Et des fois, les gens que nous rencontrons sont comme des chantiers. Il n'y a qu'un trou. Et tu le regardes, tu le méprises. Alors que dans 10 ans, 20 ans, ce serait un gratte-ciel. Taisez-vous devant la destinée des hommes. Ne parlez pas beaucoup devant la destinée des hommes. Nous que vous voyez là, beaucoup de gens nous ont méprisés. Beaucoup de gens nous ont méprisés, mes frères. Mais aujourd'hui, nous sommes une surprise pour eux.
Tais-toi devant une chenille qui est dans son cocon. Quand la chenille entre dans le cocon, elle est à top. Elle reste fixe. Elle est laide. Mais donne du temps. Il y aura la métamorphose. La chenille va devenir un papillon. Et certains au milieu de vous, vous êtes dans un cocon. Rien ne marche. Tu ne bouges pas. Tu es au même endroit. Financier, spirituellement, rien ne marche. Mais demain, tu seras un beau papillon. Quand tu te tiens devant un tableau noir, garde silence. Tu ne sais pas ce qu'on va y écrire. Certaines personnes sont des tableaux noirs. Rien n'est écrit. Ce sont des personnes lambda. Des personnes qui ne marquent pas. C'est une personne, tu oublies même son nom. Mais demain, c'est l'examen de ta vie qu'on va écrire sur ce tableau. Dieu fera dans sa vie des choses où tu dois aller prier pour dire, Dieu, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Il y a des niveaux où Dieu commence à agir dans ta vie. Même les chrétiens commencent à prier. Est-ce que c'est Dieu ou c'est la magie? C'est un examen que Dieu donne. Cosinus, tangente. Oui, il y a des gens qui deviennent des examens dans la vie. Hein? Imagine que l'un de nos frères ici seulement, il reçoive une onction, dans tous les deuils, il part, il ressuscite les morts. Nous allons aller en prière pour prier Dieu. Est-ce que c'est toi? Même les gens qui croient en la puissance vont aller dire, Dieu, est-ce que c'est toi? Tu entends partout, il part, ressuscite. Les gens ne font que ressusciter. Ils disent seulement, les gens ressuscitent. Lorsque tu vois un homme et rien n'est écrit, ce n'est pas que le maître n'a pas la craie. Quand tu vois un papier vide, ne te moque pas du papier vide. Tu ne sais pas quelle lettre on va écrire. Peut-être une recommandation présidentielle. Arrêtez de mépriser les hommes. Arrêtez de mépriser les hommes. Ne méprisez jamais un homme. Même les païens disent des fois à leurs filles, on ne se moque pas d'un homme. Mouana, basakanarana mobali, té. Même les païens disent ça. On ne se moque pas d'un homme. Parce qu'un homme aujourd'hui, il peut marcher avec des babouches. Mais demain, il devient ministre. C'est pourquoi même sœur, quand tu dis d'un homme qui veut t'épouser, ne l'insulte pas. On ne dit pas non à un homme en l'insultant. Dis seulement non. Ne dis pas regarde-toi, regarde-moi, regarde-toi. Arrêtez ces regarde-toi, regarde-moi. Il va te doubler un jour dans la pluie. Je sais ce que j'ai dit, hein. Je connais une fille il y a longtemps. Non, je saute cette partie. Elle va suivre la vidéo. Elle m'a méprisé, méprisé, frère. Je suis allé demander la main en bus. Elle m'a regardé. Tu dis, je t'aime à pied, tu rentres à pied. Ne méprisez jamais les hommes. Ne regarde pas ta vie pour juger un homme. Tu n'es pas Dieu. Ne te moque jamais d'un vase brisé dans les mains d'un potier. Ne te moque jamais d'un vase brisé dans les mains d'un potier. Tu ne sais pas ce qui va devenir un vase d'or. Si tu pouvais regarder Pierre en train de renier Jésus, quel futur tu allais lui donner? Tu allais dire zéro, il n'y a rien ici. Mais Jésus voyait, même derrière le reniement, que cet homme sera prêt à mourir pour moi. Il n'a pas pu mourir pour moi parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Quand il aura le Saint-Esprit, Pierre mourra pour moi. Il m'aime beaucoup mais n'a pas la force. Je lui donnerai la force. Ne te moque pas d'un homme qui est tombé dans le péché. Ne te moque pas d'un homme de Dieu qui est tombé dans le péché comme nous faisons maintenant à Kinshasa. Tu ne connais pas quand est-ce qu'il va se repentir et ce que Dieu va lui dire. Vous aimez les épîtres de Pierre? Mais Pierre a renié son maître. Il a dit qu'il ne le connaît pas. Ne te moque pas d'un frère qui traverse des moments difficiles. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Ne te regarde pas pour juger un homme. Il se peut qu'il sera plus grand que toi. C'est pourquoi tant qu'un homme ne s'est pas tenu debout, ne dis pas que tu es plus grand que lui. Tu peux être debout, l'autre est assis et tu penses que tu es plus grand que lui. Non, il est assis, il n'est pas debout. Lorsqu'il va se déployer, il est plus grand que toi. Ne te moque pas
quand tu ne comprends rien. Et même si tu comprends, il y aura toujours des choses que tu ne comprendras pas. Ils se sont moqués de Jephté parce qu'il avait de mauvaises origines. Mais ceux qui ne savaient pas, c'était lui leur juge. C'était leur roi. Parce qu'en ce temps-là, Dieu n'établissait pas encore des rois, c'était des juges. Celui qui était le fils de la prostituée, c'est lui que Dieu avait choisi pour les sauver, les protéger, les défendre. Mais ils l'ont jugé selon des hommes. C'est pourquoi dans l'église, nous devons vivre dans le respect. Moi, j'ai appris à respecter les gens à l'église, mes frères. Ça fait 23 ans que je suis pasteur et ça fait maintenant plus de 31 ans que je suis chrétien. Je crois bien, 31 ans. J'ai vu des frères à l'église qui venaient étudier à l'église. Ils n'ont pas de maison. Ils habitent l'église. Il a toujours le même pantalon. Il prie tout le temps. Il cherche Dieu. Toi, tu viens de chez vous. Tu as papa, maman. Et tu le regardes. Mais il prie Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, ils sont dans le monde entier. Ils influencent la terre. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Les choses qu'ils demandaient à Dieu dans le secret, Dieu entendait, Dieu leur a donné. Frères et sœurs, alors que le monde est en train de se construire, il a rejeté Jésus. Mais Jésus est la principale de l'angle. Sans la principale de l'angle, vous allez être vaincu par les ammonites, par le diable, par les démons, par l'antichrist. C'est seulement Jésus qui peut donner la victoire. Dans ce pays, il y avait les mouvanciers. Il n'y a plus les mouvanciers. Les rôles changent. Même vous qui avez le pouvoir, soyez humbles. Que tout le monde soit humble. Que Dieu vous bénisse.